Ah! Oh, oh, ça me fait mal, ça me fait mal, Yasmina! Qu'est-ce que je suis en train de perdre le bébé? Ah non, Miranda, ne dis pas ça, ça oh, n'arrivera pas! Calme-toi, s'il te plaît! Ça me, fait, toi, mal, ça me plaît. fait énormément mal! Bon. Je vais chercher un médecin! Non, non, Yasmina, ne bouge ça me pas fait peur. Ça me fait peur parce que je... ça me fait très mal, Yasmina! Bon, je vais appeler, oh. mais calme-toi! Oh. Miranda, tu dis la médecine, tu oh. connais ça mieux que moi! Aide-moi à m'asseoir, ça me fait énormément mal! Dépêche-toi, dépêche-toi! Allô? Docteur Peralta? Non, Yasmina, c'est moi! Pedro! Écoute, c'est Yasmina. Ah. Tu peux venir d'urgence au bureau de Miranda. Oh. Elle a une douleur très forte. S'il te plaît, oui. Ok, ben, j'arrive tout de suite. Ok, merci. Il arrive tout de suite. Calme-toi, Miranda. S'il te plaît. Enlève-moi ça, enlève-moi ça. Miranda, s'il te plaît, calme-toi. Il sera oh arrivé quelque Dieu. chose à Leonardo. Yasmina, tu as entendu L'hélicoptère s'est écrasé. L'hélicoptère s'est écrasé. Non, quand la oui. chef va prendre l'accident, elle va en mourir. Ah oh là, là. Oh là là Et là là maintenant, là qui là là va là 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 la, la supporter avec son mari mort Oh non, 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 petite, ne dis pas ça, ce n'est pas un jeu Oh mon Dieu, ne permets pas ça, s'il te plaît, mon Dieu, ne permets pas ça Elle va devenir insupportable, vu qu'elle est déjà folle et hystérique. De qui parlez-vous Tu as appris la nouvelle Ah uh ah, -huh. quelle nouvelle hein Ne me dites pas, quelqu'un d'autre a démissionné non, ma chère, ce ne sont pas des bagatelles de travail, my sweet. Prends plutôt ça avec calme. Ginette, hein. ah, va lui chercher un petit cachet pour calmer les nerfs de la chef, car elle va vraiment en avoir besoin. Oui. Grégory, je ne prends pas de cachet du tout. Dis-moi ce qui se passe. Bon, en fait, il s'avère que... Bon, à cause du mauvais temps, il semble... Il semble qu'il se soit écrasé... Un de ces, tu sais, aéroplanes. Je veux oui. dire, l'hélicoptère de Monsieur. Lombardi. <laughs> Et qu'est-ce que ça peut me faire Qu'ils s'écrasent tous De toute façon, ils ont l'argent suffisant pour s'acheter une autre flotte, s'ils si veulent. Et de plus, j'ai bien trop de problèmes pour, pour m'inquiéter d'un tas de ferrailles bien chaudes. Oh, mais calme-toi, ma petite, laisse-moi terminer, hein <laughs> Tu sais, il s'avère que cet hélicoptère qui s'est écrasé. Est tombé avec ton ex, Lombardie inclus. et eh oui! Oh, petite, je savais, je savais, je savais. Allez, va lui chercher le cachet. Hein. Va lui chercher un cachet. Oui oui, 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 oui. Je viens de voir ça à la télévision, monsieur Raimondo. Ah, oh, mon Dieu. Mon fils volait ce matin. Écoute, il ne faut pas que papa l'apprenne, hein? Que se passe-t-il? Rien qui te regarde, espèce d'ivrogne. Bon, y a pas de quoi s'inquiéter. Ah, grâce à Dieu. Ce bébé arrive en bonne santé. Alors, ne te tourmente pas. Alors, pourquoi est-ce que ça m'a fait si mal? Bah, imagine, l'émotion, c'est normal. Ah. Mm -hmm. Je voudrais savoir ce qui s'est passé avec Leonardo, cela me préoccupe tellement. Ah, je ne veux pas penser que soudainement il que rien du tout. Allez, allez soyons patients. Ah, allô, Elisa. Ouais. Ah oui, moi bon, j'étais précisément en train de parler avec Miranda. Est se passe Elle est inquiète, tout comme. Ok. J'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. dit Qu'on Qu a retrouvé l'hélicoptère. Mais alors. Bon bah ils n'ont pas eu plus de détails. Oui, c'est l'entreprise Lombardi. Je veux savoir si Leonardo Lombardi est réapparu et si vous savez où il est actuellement. Que sait-on de l'accident Comment va Leonardo Un instant, s'il vous plaît. Je suis en train de vérifier ça avec les pompiers. Bonjour, Rita. Je viens de l'apprendre. Comment va Leonardo Ça ne te regarde en rien, idiote. Va-t'en d'ici. Tu arrives toujours au mauvais moment. Mesdames, s'il vous plaît, calmez-vous. Allons, ça suffit avec l'accident, s'il vous plaît. Dites-moi une chose, tout ils même ont confirmé que je suis un peu qu'en de il concret, actuellement. Ah non, moi je vais aller dans ces montagnes où sont les journalistes. Parce qu'ils apprennent toujours tous les premiers, mieux que personne. Ah, attends Tu ne vas aller nulle part, sale opportuniste. Tu ne vas pas retrouver mon mari pour gagner des points avec lui. Lâche-moi. Ma fille, tu es bête. Ça n'est aucunement une compétition, c'est une urgence, Raisa Larkon. Concourir, toi, avec moi Ah, oh, s'il te plaît Tu n'as ni le visage, ni le corps, ni le charisme pour concourir avec personne. Tu es une idiote, une vraie idiote. Tais-toi, sale vipère Toi, tu dois apprendre à accepter que tu ne m'arrives pas à la cheville. Tu ne seras jamais en compétition avec moi, sale <laughs> oh, Quelle femme tellement insupportable quelle femme au rabais oh. S'il vous plaît, laissez-le passer. On essaye de travailler. Laissez faire les secouristes. Vous plaît. Monsieur Lombardi, comment allez-vous Comment vous sentez-vous Je vais bien. Je n'ai rien de cassé. Vous pourriez nous relater avec détail l'accident Tout est dû à cause du mauvais temps. C'est ça qui s'est passé. Ah oui, Yasmina, je me sens déjà mieux. En fait, je me sens tourmentée à cause de ce qui est en train d'arriver à Leonardo. Ah, ne pense plus à ça. Imagine-toi qu'il ne se passe rien. Et souviens-toi ce que t'as dit, Pedro. Tout est normal. Écoute, quand cette femme est arrivée, mon Dieu, que j'étais mal à l'aise, je voulais disparaître. Oh, Yasmina, moi qui t'aime tant, toi, et qui l'aime tant, elle, je me sentais très mal à l'aise. L'ambiance est devenue si pesante. Miranda! Oh, Monsieur Pina, où en est-on <laughs> J'ai une bonne nouvelle Leonardo est apparu Ah oui Comment va-t-il Dites-moi Sois tranquille, sois tranquille, car tout va très bien Mais la télévision, car en ce moment, on est en train de ah, faire merci, des déclarations Merci, merci beaucoup, monsieur de rien. Merci À bientôt, Miranda À bientôt Monsieur Lombardi, vous croyez que l'accident s'est produit à cause de l'incompétence du pilote Bien au contraire, mademoiselle C'est grâce à sa compétence que je suis toujours vivant Acosta travaille depuis de nombreuses années pour le consortium. Leonardo! Leonardo! Leonardo vous ne pouvez pas Leonardo, passer! mon amour! Comment ça, je ne peux pas passer? Vous ne savez pas avec qui vous parlez? Avec Raïza Alarcon, l'épouse de Leonardo! Leonardo, mon cœur! Il va bien! Ah, Est-ce qu'il ah, va, oui, 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 va bien? Il va bien, madame, il va bien! Son état est stable, ah, il n'y a aucun problème! Je te sens bien, mon cœur! Tu as mal quelque part? Rien ne te fait mal, hein? Regarde-le. Il est là. Avec son ex. Au moins, nous savons qu'il n'a rien eu de grave. Oublie ça, écoute. Ne pense pas à ça. Tu dois l'abandonner, enterrer cette histoire et arracher cet homme de ton cœur. Allons travailler. Qu'est-ce que je peux te dire, Yasmina Je suis toujours amoureuse de cet homme. Ah, C'est comme si j'avais ses gènes ici, à l'intérieur de mon corps. Toute son énergie ici, en train de construire le bébé, non Yasmina aujourd'hui pendant un moment, j'ai pensé que Leonardo était mort, tu sais. J'étais morte avec lui. J'étais morte avec Leonardo. Où oui, bah est passé le bar de cette maison Monsieur Leonardo a interdit définitivement qu'on permette de prendre des boissons alcoolisées dans cette maison. Ah oui oui. Oui, eh bien, ça oui. m'est égal. Parce que j'ai besoin d'un verre. Tu me comprends J'ai besoin d'un verre. Ah. Excuse-moi, excuse-moi. Fais-moi une faveur et va t'en de là, car ah, il n'y a arrête, rien. Arrête. arrête. Fabiana, arrête-toi. Lâche-moi. Je ne vais pas te lâcher. Faites-moi ah. une faveur, les petites, emmenez-la. Oui. Emmenez-la. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Acosta. Mon amour, attention, attention. Ah. Tu vas bien Très bien, chef. Nous avons bien fait de revenir. Sinon, nous ne serions pas en train de raconter ça. Si tu as besoin de quelque ah. chose, tu me préviens. D'accord, Leonardo. Partez tranquille. Bien. Rentrez tranquille. Allez, viens, viens, mon cœur. Ne te laisse pas embêter. Ne te tourmente pour personne. Toi, maintenant, ce dont tu as besoin, c'est de prendre un bon bain et de te reposer. Je vais te ramener jusqu'à la maison. Non, 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 non. Je vais conduire. Donne-moi les clés. Mais mon amour, tu viens d'avoir un accident. Donne-moi les clés, Raisa !»« Ah mais, ah, tu es si bien. Je ne m'habituerai jamais à un autre homme qui ne soit pas toi. Tu es admirable, mon amour. Devant les pires circonstances, tu es un vrai Superman. Il faut voir que ta chef ne perd pas de temps. Elle est là, mmh. devant la caméra et en train de gagner des points avec Leonardo. Ah non, tu baisses d'un ton avec ça. Hein. À vrai dire, c'est ce que j'admire. Ah, parce que la chef n'a pas peur de la scène, mais pas du tout. Elle a une ténacité incomparable, oui. Oui, aussi tenace que machiavélique et calculatrice. Mon garçon, pour être sincère avec toi, je me réjouis qu'il ne soit rien arrivé à Leonardo. Ah, vraiment, je te comprends pas, toi. Car Leonardo est ton grand rival. Grégory, ça te semblera absurde, mais moi, Leonardo, je le considère toujours comme un ami. Mon Dieu! Laisse-moi récupérer car je ne comprends pas les gens. Grégory, dans quel monde vis-tu? Écoute, Chenapan, en parlant d'autre chose, tu as vraiment renoncé? Parce que c'est la neuvième fois que je te vois remplir ta petite caisse. Eh bien, oui, Grégory. Cette fois-ci, c'est vrai. Maintenant, les péripéties de ta chef, j'en ai jusqu'ici. J'en ai assez. Mais ne t'inquiète pas. J'ai d'autres plans. Je suis en train d'essayer. Autre chose ailleurs. Ah, vraiment Avec une autre woman, j'imagine. <laughs> <laughs> tu sais que pour moi, aucun chemin n'est sûr, si ce n'est pas une femme. Ah, sacré Fédé. Hein ah, Fédé, attention, écoute car tu es dangereux. Hein écoute, en parlant franchement, toi, celle qui te manque sur cette liste, c'est Miranda Valadares. N'est-ce hein pas Miranda, non Regrettablement, non. Même si c'est le type de femme vers lequel je penche dernièrement. Les dures, les difficiles, celles qui ne s'offrent pas. Salut, salut. Oh, il est superbe, tu as raison. Oh, qu'il est doux, non il, est il lui mignon. arrive de mordre. Oh, il a un très joli nom. David. Oh. Que Dieu le bénisse. Ah, j'ai une fille qui est ravissante. Ah oui. Et mon amour, tu vas être ici, le préféré, le préféré de la maison. Hum? On va s'occuper de toi. Hum? On va s'occuper de toi. Miranda, excuse-moi, je ah, viens te le voler. Il est trop mignon. <laughs> Regarde. Ce qui se passe, c'est que le docteur Peralta a besoin d'examiner le préféré oh. de la maison. Oh, ce qu'il pèse, une tonne, ce bébé. Hum? <laughs> c'est qu'il est bien gros, qu'il est beau. Je te le laisse. Viens ici, bébé. Oui. Il est lourd. Mais comment va-t-il Il va bien Bien, bien. Pour le moment, il va bien. De toute manière, nous allons l'examiner, voir comment il va. Ah, c'est bien. Mon amour, tu va être ici, le prince, le prince de tout le foyer. Occupez-vous-en bien. Bien sûr que oui, ne t'inquiète pas, Miranda. À bientôt. C'est bien ce que je vous disais, docteur. Le petit David nous rend toutes folles. Il a de la chance. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'il est joufflu, non Qu'y a-t-il Jeune fille, il est tard. Il faut que j'aille faire quelque chose là. Tu veux que je t'accompagne euh, Non, j'y vais seule, mon ami. Même si tu n'y crois pas et que tu trouves ça ironique, c'est quelque chose que je dois faire pour le bien de... de Leonardo. Vous vous sentez bien? Oui, oui, je vais bien, merci. Ah, monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. Oui, papa. Oui, je vais bien. Je suis ah, en merci, chemin vers la maison. Sois tranquille, sois tranquille. Préviens grand-père, s'il te plaît. S'il l'a appris, il doit être très angoissé. Mon amour, Leonardo, tu ne penses pas que nous devrions t'emmener dans une clinique? Parce qu'on ne sait jamais avec un accident, mon cœur. Et bon, je crois qu'il est bon de te faire examiner je par me un sens spécialiste. bien, tu peux, le Mais comprendre. mon amour, il faut te faire examiner dans une merci clinique. Merci beaucoup, prenez soin de vous. Que, que dans un camion de pompiers et... Je me sens bien, Raissa, je me sens bien Pardonne-moi si parfois je deviens insistante, mon amour, mais c'est que... Ah, je t'aime, je t'adore, tu es ma vie, et je ne peux pas penser qu'il t'arrive quelque chose. Je t'aime. Il n'y a ni Sonia, ni Miranda qui t'aiment comme moi. Tu n'as pas à les mentionner. Mais regarde, aucune des deux ne s'est montrée ici. Pour avoir de tes nouvelles. Et le pire de l'histoire, c'est que Miranda prétend maintenant te faire endosser un enfant d'un autre. Un enfant qui, on le sait bien, est de Dario Antonetti. Ça suffit, Raissa. Je t'ai dit de te taire, non Monte. Tu es sûr, Miranda si tu retires les charges qu'il y a contre Dario Antonetti, en aucune circonstance, il ne peut être inculpé par Leonardo. Ce sujet deviendrait une véritable menace pour vous. Commissaire, je pourrais vous assurer que Dario n'est aucunement un criminel. Ce qui se passe, c'est qu'il est très malade. Oui. Selon l'analyse qu'a présentée le docteur Claudia Fernandez, ce problème relèverait du domaine de la psychiatrie. Mais tu dois penser, Miranda, que ce type est obsédé par toi. Oui, monsieur le commissaire, mais imaginez-vous, il vaut mieux l'avoir dehors. Merci beaucoup, mademoiselle. C'est très aimable. Rémina, qu'est-ce qui s'est passé Ah, docteur Sandoval, merci d'être venu. Pardonnez-moi de vous avoir dérangé pour ça, mais... Je sais que vous l'appréciez beaucoup, elle. Et bon, peut-être que vous pourrez nous aider à trouver une solution. Mais où est-elle Monsieur le comptable Que fais-tu ici Fabiana, je ne savais pas que tu étais là. <laughs> Et comment te sens-tu Eh bien, quant à sentir, sentir, je ne sens rien. Cette maison n'est visiblement plus la même. On me refuse même un simple verre, imagine-toi. Leonardo lui-même m'a traité très durement hier. Il m'a vraiment humiliée. Fabiana. Fabiana, écoute, tout cela pourrait changer. Il suffirait que tu acceptes l'aide dont tu as besoin. Bien sûr. Bien sûr que tu peux aller jouer avec les enfants du foyer, mon amour. Mais tu as déjà fait tes devoirs Oui. Et je m'embête beaucoup. Et ton père est déjà arrivé Non. Mais je l'ai appelé et il m'a dit qu'il ne lui est rien arrivé lorsque l'hélicoptère est tombé. Dis-moi, maman. Tu viens me chercher Sois tranquille mon petit prince, je viens te chercher, ok Mais monsieur, il n'y a pas de voiture devant, qu'est-ce qu'il y a Voyons voir. Hum. Comment te sens-tu alors Je te trouve hum. mieux même si je te dis une chose, tu ne peux pas rester couché toute la journée, tu as entendu Tu dois sortir marcher un petit instant. Je sais, je m'ennuie en plus, j'en ai marre d'être enfermé ici. J'ai envie... De vivre au jour le jour, d'aller mmh. aux entraînements, parce que je te dis une chose, ma petite. Hein. Dis-moi, mon petit. Je vais remporter cette médaille cette année. Ah. Je vais la remporter. Mais Saul, quel est cet empressement, mon garçon C'est que on te traite si mal ici. Non, non, non. Bon, mais tu sais, mmh. tu sais. Si je ne faisais pas ça pour toi, je m'ennuierais encore plus, vraiment. Oui. Mmh. Même si en partie je me suis libérée de cette idée qu'a mon grand-père de m'emmener vivre avec lui. C'est bien, alors ne te plains pas. Franchement, ça pourrait être bien pire pour nous. Tu ne crois pas hmm. Vraiment Oui, vraiment. <laughs> Ce qu'il y a, c'est que ils doivent me faire quelques examens et je comprends pas pourquoi. Tiens. Et tu ne sais pas pourquoi Bon. Il ne va rien se passer. C'est seulement que le médecin veut les refaire pour. Euh, pour ôter des petits doutes, non Tu comprends, non Oui, sûrement. Oui, on est un couple, hein. mm. Et. et toi alors Avec ces bleus que j'ai maintenant, tu vas quand même continuer à m'aimer Non Bien sûr, mon garçon, comment ça serait-je de t'aimer mm. <laughs> Beaucoup, 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 chaque jour je t'aime. Tu sais que. que tu me rappelles énormément ma mère. Elle avait comme toi la peau blanche, les yeux clairs. Elle était magnifique. Merci. Elle me manque. J'ai d'autant plus besoin que tu sois là. Tu ne peux pas savoir à quel point. Bon. Nous venons de passer par une terrible frayeur avec Saul. Et mon fils a frôlé la mort. Écoute, calme-toi mon oncle. Maintenant, Leonardo va bien, tu crois pas oui. Et je te comprends. Parce que moi aussi, ça me fait mal pour la famille. Et ça me fait mal pour Leonardo, la situation par laquelle il est en train de passer. Et je me demande vraiment. Je me demande si le destin n'est pas en train de se venger sur nous. Oh, et puis quoi encore Ne me dis pas de bêtises. Et le pire de tout, c'est que ceux qui le paient sont les moins coupables. En revanche, toi, par exemple. Eh bien, tu vis ta vie en haïssant et tu ne veux pardonner à personne Et qu'est-ce que tu en sais J'en sais beaucoup plus que ce que tu supposes. Étant petit, j'ai assisté à toutes tes violentes disputes avec le grand-père. Et je sais que tu portes la culpabilité. La culpabilité d'avoir trahi ton ami Amaral. Tais-toi Ne le mentionne pas Je t'interdis de reparler de cette histoire Mais quoi que tu fasses, maintenant ça fait partie de ton passé. Et ensuite, tu critiques ce qui concerne le grand-père avec la grand-mère de Miranda, quand toi, tu t'es passionné pour la femme de ton ami, et tu l'as enfoncée. Alors ne viens pas me soutenir le contraire. Derrière cette porte, il y a une possibilité. Et vraiment, ça, je te l'assure. Et toi, pourquoi fais-tu tout ça pour moi Peut-être parce que. Eh bien, parce que je l'ai vécu. Parce que je connais tes obscurités et les trous trop profonds. Toi Oui. Mmh. Tu sais, Fabiana, mon. Mon père a été. un alcoolique. Mais. Mais je le fais aussi parce que. Parce que tu comptes beaucoup pour moi en tant que femme. Et que je ne perds pas l'espoir de gagner un jour ton cœur. Voilà, c'est tout. Voilà la raison. Écoute-moi, ne remue pas mon passé. Mais... Bien sûr. Tu oublies le passé pour ne pas admettre tes erreurs. Et pourtant, tu attaques les innocents comme Miranda et comme Saul. Écoute, mon garçon, je n'ai pas de raison d'être en train de parler de mes histoires avec toi. Je vais te dire une chose. Ne mentionne plus Amaral. Ça te fait mal, pas vrai Ce nom, il te fait honte, c'est pas vrai Et pourtant, tu juges les gens. Tu es devenu l'inquisiteur et le bourreau de ton meilleur ami. Ça suffit, je t'ai dit. Bien sûr mais comme c'est toi qui es tombé amoureux de la femme de ton meilleur ami, alors peu importe. Hein Est-ce que ça n'est pas vrai ce que je dis, Raimundo Lombardi Tu vas le nier, non Non, 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 je ne le dis pas, non Je l'ai aimé. Je suis devenu fou à cause de sa passion. Je suis tombé malade d'amour de Rosario Amaral. Oui, oui Alors pourquoi juges-tu le grand-père pour sa relation avec Elba Montiel Avec quelle morale Raissa, merci beaucoup pour tout et au revoir. Attends, je préfère rester un peu pour m'occuper de toi parce que bon, tu dois te reposer et te remettre de la frayeur que tu as eue. Non, non, ça n'est pas nécessaire. Tu en as déjà assez fait. Je te remercie. Mais c'est que ce qui t'est arrivé n'est pas n'importe quoi, mon amour. De plus, Karina doit être vraiment très angoissée et la petite voudra sûrement dormir avec toi pour sentir que, que sa maman et son papa sont amis. Leonardo, on a vécu très longtemps ensemble. Et ça, ça ne s'efface pas comme ça, tu sais. Nous avons vécu beaucoup de choses à deux. Et bon, ton père est seul et. Et moi aussi. Federico ne reprend pas l'entreprise. Ah. Et que veux-tu que je te dise Eh bien, pourquoi ne me donnes-tu pas une autre opportunité Tu ne vas pas dire que Miranda pèse plus dans tes sentiments que moi. S'il te plaît, ça, je suis fatiguée. Je dois faire un appel privé, s'il te plaît, laisse-moi seul. D'accord, mais je vais aller voir ma fille préférée. Ah, oh, merci. <laughs> Kunde Amor, si ça ne te dérange pas, je vais parler avec le monsieur. Ah Oui, il n'y a pas de problème, Yasmina. J'allais ah. partir à l'instant, je te laisse au monsieur. <laughs> Excuse-moi, après je prends un petit café. Ciao, ma belle. Salut, ciao. Ciao. <rire> <rire> ah, mon Dieu. Ah, eh bien, dis donc, tu avais l'air de t'amuser comme un fou avec mm. la petite jardinière, maintenant au rang de coordinatrice. Dis-moi une chose, José Pacheco. Aïe. Elle te plaît, Kunde Amor Ah, mon Dieu. Tu me le dis ou tu me le demandes, Yasmina Martinez Maintenant, il a seulement besoin qu'on le gâte beaucoup. Bon, mon garçon, d'accord, d'accord. Moi, l'unique chose que je voulais, c'était m'assurer que tout allait bien. Bon, maintenant, je vais au bureau. De toute façon, l'ambiance ici est devenue plutôt lourde. Au revoir, cher beau-père. À vrai dire, moi non plus, je ne sais pas ce que tu fais là. Ah, mais pourtant, c'est évident, papy. Je suis ici pour Leonardo, pour ce dont il a besoin. Non, la personne dont il a le moins besoin, c'est toi. Mais tu es une insolente. Ton insolence, vraiment, c'est ça qui me dégoûte. Comment tu peux te présenter dans cette maison oh, Qui t'a donné accès ici après que ton mari t'ait même sorti de sa vie Ah, et cet escroc, elle a bien le droit, par contre, hein cette hypocrite qui non seulement a trahi Leonardo avec Dario Antonetti, mais qui va avoir un enfant de lui. Qu'est-ce que tu racontes Que fais-tu dans ma maison J'ai de bonnes nouvelles pour toi Dario et tu dois en remercier Miranda et sa compassion. Tu vois, tu vois c'est exactement ce que je t'avais dit. Miranda est une femme hors pair. Bon, même si l'os a rongé, c'est Leonardo et nous avons vraiment besoin qu'il retire son accusation, Dario. Teresa a engagé une personne très influente, et il semble qu'elle peut nous aider à te faire sortir libre. Écoute, tu sais, l'unique chose importante, c'est de sortir d'ici. Ce que je veux pas, tu vois, comme Miranda est libre, elle est divorcée. Et ça veut dire qu'il n'y a plus d'obstacle entre elle et moi. C'est parfait. Je suis venue pour le petit, pour l'emmener au foyer, pour qu'il s'y amuse un petit instant, n'est-ce pas, mon amour? Oui, papa, et je vais emmener ses jouets aux autres enfants. Ah, c'est très bien que tu l'emmènes jouer avec d'autres enfants. Carlitos ne va nulle part. Il ne sort pas de cette maison sans ma permission. Mon fils est de ma responsabilité. À moi uniquement. C'est une malhonnêteté Mais je veux aller avec Miranda Je t'ai dit non, Carlitos Écoute, viens ici. Fais ce que te dit ton père, ok Je t'aime beaucoup. Allez, viens avec Allez. moi, Carlitos mon petit cœur. Non, je veux pas de toi. Et que ce soit la dernière fois que tu profites de mon absence pour venir ici. Elle entre et puis elle sort d'ici. Tant que j'en aurai envie, tu comprends Mais comment peux-tu parler d'elle ainsi Comment peux-tu lui interdire l'entrée de cette maison que toi-même tu as offerte à cette garce que tu laisses entrer librement Écoutez grand-père, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, papy. Je m'en vais maintenant. Et toi, Reza va-t'en. Leonardo, Leonardo, mon amour. Maman, maman. Mon amour. Je t'aime beaucoup. Ah, oh, moi aussi, je t'aime énormément. <laughs> hum. Mais quelle petite scène si pathétique. Quel mélodrame si bon marché. Je te jure que je suis émue. Dis-moi une chose, si le propriétaire lui-même de la maison te jette, est interdit de t'approcher de mon petit et ne veut même pas te voir en peinture, ça veut dire que... Tout est fini. Alors, au revoir, chère, Miranda Valadares. C'est que, finalement, ça devait arriver. C'est que ta place n'est pas avec Leonardo, mais aux côtés du fou du volant, Dario Antonetti. Tu veux vraiment savoir Tu veux un mélodrame bon marché Espèce de vagabonde sale traînée, va C'est que nous sommes ici pour ça, messieurs, dames. Nous nous sommes rendus compte que notre vie est devenue insupportable. Et parce que nous sommes sûrs que si on nous l'a proposé, nous pouvons revenir à notre saine raison. L'alcoolisme nous fait croire que nous vivons dans un monde parfait. Et ça n'est pas le cas! Mmh. Tu crois que j'ai peur de toi? Hmm tu crois que tu peux agir contre moi? Tu n'es rien, Reza Alarcon. Tu es de la laque et du rouge à lèvres, ok? Oh. Tu sais, tu es un torchon décoré avec bon goût, mais tu es complètement vide à l'intérieur. Tu es creuse, sans morale et sans âme. Tu vas mal finir. Tu le savais? comme ta sœur qui, elle, a fini seule et alcoolique, mais toi, tu vas finir complètement folle. <laughs> ah, Miranda, n'insiste pas avec mon homme, parce que tu vas toujours me retrouver en face, en train de t'empêcher de passer, pauvre diablesse. Je te rappelle que tous les parfums chers et les grandes boucles d'oreilles <laughs> n'effacent pas le passé. Tu seras toujours une fraude, parce que jamais... Tu ne t'es surpassé toi-même. Et toi, tu es. une malheureuse. Avec un nom emprunté. Un nom que ta pauvre grand-mère a volé à la grand-mère de Raimundo Lombardi. Si je me rappelle bien, jusqu'à hier, tu te mourais d'amour pour moi. Ah Mais oui, elle est devenue précieuse, cette demoiselle. Hautaine et un petit peu prétentieuse, comme une star. Oh, toi tu es jalouse, Yasmina. Non, jalouse, moi. Ah non, mon cher. Toi même. Hein. Qui vient maintenant toute dépité pleurer sur mon épaule Après que le petit médecin soit retourné avec sa charmante femme. Toi, ce que tu es, c'est écorché vif, José Pachico. Non, 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 pas plus que toi. Pas plus que toi, car au moment de choisir... Tu as choisi l'argent et le titre. Mais laisse-moi te dire une chose je suis un chauffeur diplômé. Et je ne dois pas être si mal, parce que, écoute, Koundé Amor me séduit. Et puis, je la trouve très bien. Et très gentille, j'ai le droit, non Ah, vous les hommes, vous êtes vraiment des traîtres et des menteurs. Maudite, maudite jalousie. Ah, tu me tueras toujours autant. Ah <laughs> oh non, mais c'est vraiment comique Ne te fais pas d'illusion, <laughs> idiot, je ne suis pas du tout jalouse. Tu sais quoi? Si Koundé Amor te plaît, eh bien vas-y, allez, vas-y, qu'est-ce que tu attends? C'est parfait, ça me semble <laughs> très bien qu'elle te plaise. Euh... Mais tu sais quoi? Ouais. Écoute, José Pacheco, mm. elle n'est pas comme moi, car il n'y en a qu'une seule, ne l'oublie pas! Euh... <laughs> elle est jalouse, elle est jalouse. Cette femme est jalouse, elle est jalouse, elle est jalouse. <laughs> J'en ai ah, assez de ton sarcasme, ah, d'accord? Ah, J'en ai assez Alain, de ton sale sarcasme, ok? Cette sauvage veut me tuer! elle me semble simplement ah, être. Je vais te le dire. Tu n'es qu'une pauvre idiote sans tête. Mais moi, je vais pas te supporter, non. Tu me fais pas peur, Elsa ah non, 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 Alarcon Je t'interdis de me menacer. Je n'accepte pas que tu nommes ma grand-mère, d'accord Parce que là, oui, tu vas me connaître vraiment. Parce que cette femme est morte et ça se respecte. Que ce soit bien clair. <laughs> mais tu sors vite tes griffes, espèce de sauvage. Avec toute la célébrité, tu n'es qu'une pauvre femme qu'on applaudit certes et utilise, mais que personne ne respecte. C'est la grande différence entre toi et moi. Reza Larcon. <laughs> Comme je te déteste, pauvre fille, sale garce. Je vais devenir ton ombre. Je ne vais pas te laisser de trêve avec Leonardo. Malheureuse. Je ne veux pas la voir dans cette maison. Ni nulle part ailleurs. C'est une arriviste une comédienne avec des airs de sérénité et de sécurité. Tout ce qu'elle dit n'est que mensonge, tout. Je vais te prouver, Miranda, que tu es pire que les autres, en incluant Raisa elle-même. Elle ne valent rien. Elle mérite toutes d'être utilisée. Et maintenant, avec l'histoire de cet enfant, cet enfant qui n'est pas le mien. Non, car il est de ce maudit dégénéré. C'est le type que tu mérites, Miranda Valadares. Une espèce de dingue qui détruit ta vie. Tu le mérites, Miranda. Tu le mérites pour avoir détruit la mienne. Tu le mérites. Ouais. Merci, Quintina, <laughs> jusqu'ici c'était bien. Ok. Écoute, Pura. Quand vas-tu me prendre au sérieux, mon amour Tu sais que tu me plais. Pourquoi, Quintino Pour passer un moment Pour ce que tu voudras, vraiment Non, je ne suis aucunement une petite folle de quartier. Non, 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 bien sûr, je n'ai jamais pensé ça. De plus, je pense que tu es une très jolie fille, vraiment la plus jolie de cet endroit. Merci, Quintino. Je ne sais pas si c'est le cas, mais je ne suis la copine de personne. Ok Ne te fâche pas, s'il te plaît. Mais tu sais, je pense que tu ne veux rien faire avec moi parce que tu es éprise de Manolo. Non, non, Quintino, c'est pas ça. Et si c'était ça, ce n'est pas ton problème, ok Ah, oh, ça me réjouit de te voir si bien. Et de plus, tu es très beau, mon garçon. Ma soeur a bien raison d'être folle de toi, hein <laughs> Merci, Miranda. Tu ne sais pas à quel point ça me fait mal ce que t'as fait mon oncle. Bon, ça nous fait du mal à tous, tu sais. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire Parce que ce type refuse jusqu'à son propre enfant. Bon, Vicky m'a tout raconté. Oui, malheureusement. Comme toujours, Saul. Écoutez, toi, on m'a dit que tu allais bientôt sortir. Tu es content, maintenant tu vas rentrer à la maison. Oui, c'est un fait de sortir d'ici. Mais de revenir dans une maison pleine d'histoires, avec un oncle qui est hors de contrôle, et un grand-père toujours en colère. De plus, les deux gamins sont manipulés par Reza, et Irina et moi nous sentons comme transpercés. Tu sais, le panorama mmh. est ainsi comme obscur. Tu me le dis ou tu me le racontes Écoute, en tout cas, tu n'es pas en état. <laughs> bon, en parlant sérieusement, ne pense pas ainsi, Saul. Écoute, tu as la jeunesse et avec ça, on réussit tout dans la vie, tu sais. Ouais, j'espère. Maintenant, moi, ce qui me rend réellement inquiet, c'est plutôt une petite qui est ici et qui se dépense beaucoup <laughs> pour moi. Sérieusement, Victoria, Victoria, elle me rend fou. Vraiment Qu'est-ce qui s'est passé, portugais Et alors Alors quoi Tu cours après Pura, c'est ça Et toi alors Moi quoi Mon garçon, c'est une femme avec qui il faut se marier. Avec un voile et une couronne. Ainsi, il vaut mieux que tu affines ton artillerie parce que si tu joues avec Pura Portugais, Écoute et donc, couc... que va-t-il m'arriver Je te tue à grand coup, Portugais. Je te tue à grand coup. Je te mets ta boulangerie à sac et voilà ce qui va t'arriver, d'accord Alors si tu veux rien de sérieux avec Pura, attention, parce que je te tue. Compris Écoute, hein, quel film allons-nous voir hein Il y en a un là, ah, je ne me rappelle plus le titre. Euh, c'est Un dessin animé, il vient de sortir. Ah oui, un dessin animé. Oui, bon, c'est un film quand même, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi. C'est que nous l'avons soumis au vote et, et ça a plu à Kayito et aux jeunes. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Tu veux le voir Moi, je veux bien le voir. Bon, je vous attends là-bas, d'accord Super, ciao Ciao Madame Miranda Ah, merci. Ah, c'est super, parce que je vous trouve quand même plus contente, plus décidée, enfin Ah, ah bien sûr, Nina, parce qu'ici, à l'intérieur de mon ventre, est en train de grandir un petit bébé qui a besoin d'une mère heureuse et joyeuse. Ah, c'est bien, ça m'enchante Je vais aller voir un film de dessin animé, qu'est-ce que tu en penses Parfait, allez-y, <laughs> amusez-vous, si permettez Un dessin animé... Ça me rappelle mon amie, Andréna Amaral, car elle et moi, nous nous sommes toujours échappés pour voir des films drôles. Je me demande ce qu'elle est devenue. Mm. Eh bien, cette chambre est beaucoup hm. plus grande, mon petit. Sinon, il y a quoi la télévision Quoi, sinon Alors, elle te plaît Quelle comédie Non, ça ne vaut rien. Non, non, regarde. Mais une histoire d'amour. Aussi belle que la nôtre, mon amour. Comme la nôtre. D'accord D'accord. Allez, allez Ça va, ça va. Mon Dieu. Soul. Qu'est-ce qu'il y a tu es en train de saigner du nez Hein Quoi Soul Alors, est-ce que le ah. film t'a plu C'est hein trop bien Ah, j'ai oh, ri comme au temps où j'étais jeune, ça m'a enchantée <laughs> Ah, ouais. oh, jeune fille le goût de nos jeunes années nous est resté. <laughs> Au moins, nous sommes sortis de la routine. Ça, c'est bien vrai, ça. J'ai même dormi ici. Ah bon hein Alors, on rentre déjà à la maison maintenant Mais mon ange, tu trouves ça trop court de rester deux heures enfermés dans un Mais cinéma Mais qu'est-ce que c'est <laughs> qu -ce que, ça Enfin, écoute, moi tout de suite, j'organise une chose. Nous mangerons ici, nous nous asseyons et bon, nous passerons un super moment ensemble. Ah, je connais un endroit vraiment mm -hmm. super avec une petite terrasse extérieure. On y va on oui, peut regarder si elle la fête, ouais. Ouais. Ah ouais, je vois oh où c'est, c'est super ouais, bien là Venez, ouais, on y va. va. Bah, comme <laughs> tu veux. <laughs> allez, on y allez, va. Allez, on est parti. Ouais, allez, on, on, va. Va. En Mais on y va. Bien ah. sûr. Ça, c'est à toi, Cheo. C'est que j'ai un tas de choses ah, dans bon. mon sac et j'ai déchiré tant de choses que j'y ai mis, ce que bon... Oui, c'est que... Mais hum. arrête de manger tes cochonneries. Tiens, goûte ça. Moi, je préfère ça comme ça. Et pourquoi Vengo del agua que el tiempo.